La quête des solutions au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire se poursuit sur l'étendue du territoire national. Dans la ville de Daloa, l'université Jean-Laurougnon-Guédé a abrité un colloque qui rassemble chercheurs, enseignants-chercheurs et spécialistes des questions de formation et de recherche scientifique. Faire un état des lieux, de faire un bilan de la formation, de la recherche et de l'insertion de nos diplômés, de faire un bilan pour voir ce qui marche, pour voir les difficultés, donc évaluer nos forces et nos faiblesses et voir comment on peut se projeter pour les prochaines années afin d'avoir des formations de pointe, des formations attrayantes, mais aussi des formations qui donnent les compétences à nos diplômés pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Des pans importants de notre mission portent sur, au niveau de la formation, sur la formation de personnes ressources de qualité. Et pour nous, ces personnes ressources-là, c'est vraiment en termes de savoir-faire ce dont nous avons besoin pour accompagner le développement socio-économique de notre pays. Les différentes thématiques abordées par ce colloque-là collent à la formation et surtout à l'employabilité des jeunes, ce qui est un challenge pour le ministre, pour notre région. L'université Jean-Laurougnon-Guédé est un établissement ivoirien situé dans la région du Haut-Sassandra, plus précisément dans la ville de Daloa. Sa mission principale est d'assurer la formation des cadres spécialistes du développement local, rural et communautaire.